Mes petits chats, il faut que je vous raconte. Hier, on va se coucher au lit, tranquillou, pépouze. Quand tout d'un coup, vois-je dans notre chambre, au plafond, une putain d'araignée. Du coup, erreur, je le dis à ma meuf. Elle pleure, elle appelle sa mère, elle convulse, et elle me supplie de la tuer. Tue-la, sinon je brûle la chambre et je jette les cendres dans un volcan! Moi, bonhomme, tu vois, j'assure. T'inquiète, bébé, je vais la gérer, la tête araignée. Mais intérieurement, je chiale ma race. Je sens déjà les bébés araignées monter dans mon oreille et bouffer mon cerveau. En plus, moi, j'aime pas tuer les trucs vivants. Depuis que j'ai vu Mimi la fourmi dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Team 90 représente. Je peux pas. Du coup, j'essaie de prendre un cadre. Pour qu'elle monte sur le cadre et que je la pousse par la fenêtre. Mais elle veut pas monter sur le cadre. Je suis en sueur. Ma meuf pleure. Je suis en sueur. Ma meuf hurle. Et cette saloperie, elle saute. L'araignée est pas ma meuf. Mais ça saute. Quand enfin, j'arrive à la faire monter sur le cadre. Elle ne lâche pas la tata araigne. Évidemment, j'ai cru que j'allais jeter le cadre chez le voisin. Mais lâche-la. Là, je finis par y arriver. Je ferme la fenêtre. Ma femme, trop fière. T'inquiète pas, bébé, c'était easy. Et là, l'impossible arrive. Oh putain, une seconde araignée. Encore plus grosse! Ma meuf, elle est partie en PLS dans la baignoire, l'araignée sur la tête. Véridique. Moi, j'ai fait un geste qui sauve. J'ai sorti la spie. T'es qui le patron?